Depuis un peu plus d'une semaine, Mathieu a accéléré ses révisions. À 17 ans, il va passer pour la première fois un baccalauréat qu'il a choisi de réviser tout seul, sans ses copains, pour plus de concentration. C'est un stress supplémentaire, un peu plus que le brevet ou d'autres diplômes que j'ai déjà pu passer. Mais je m'y prépare, ouais. Chaque jour, une matière. Donc aujourd'hui, c'est la physique. Hier, c'était les maths. 2 heures maximum, ça me suffit, hein. Après, je sature et je retiens plus rien. Selon ses parents, Mathieu est un bon élève qui a déjà travaillé régulièrement tout au long de l'année. Mais chaque astuce est bonne à prendre. Pour soigner son fils unique, Claire utilise des huiles essentielles. Alors le laurier noble, c'est pour avoir la confiance en soi. Et la menthe poivrée, c'est pour la concentration. En pharmacie, il y a beaucoup d'autres remèdes pour tenter de se faciliter le bac. Ici, on vient surtout chercher de quoi lutter contre la fatigue ou améliorer sa mémoire. Mais attention, il ne faut pas attendre la dernière minute. Il faut s'y prendre 1 à 2 mois à l'avance. Et puis les molécules qu'on peut utiliser pour la concentration au cerveau, c'est le ginseng par exemple, ou les huiles de poisson. Après, si on veut quelque chose plus un peu pour la fatigue, ça va être les vitamines ou le magnésium. Pour le stress, on peut utiliser aussi de l'huile essentielle d'orange. Côté stress, Mathieu a ses méthodes pour l'évacuer. Plutôt confiant, il sait que le baccalauréat sera surtout une porte d'entrée sur une formation Bac plus 2 en alternance, pour laquelle son dossier a d'ores et déjà été accepté.